Alors, toutes les vis sont retirées, sauf les deux qui sont cassées ici et ici. Et comme c'est gonflé là-dedans avec le sel, comme pour les autres là, le sel, la rouille, l'oxydation, enfin la rouille, il n'y a pas de rouille, hein, l'oxydation qui se trouve là. On voit quand même qu'il s'est légèrement décollé. On a un petit peu d'huile moteur qui coule là. Donc ça, c'est bon signe. Donc là, il est décollé, mais il est maintenu par ces deux logements là, ici et ici, qui font que c'est aggloméré. Là, j'ai un goujon avec un écrou. Bon, je sais pas quoi penser. Quand on retire ça, bien penser à retirer la clavette qui est ici, la stocker avec la poulie et son écrou. Bon, je vais travailler, je vais essayer de sortir ça. Là, j'ai une petite oreille, je vais pouvoir tirer un peu dessus. Donc là, j'ai une oreille ici, une encoche là, une encoche là. Là, ici, je peux taper gentiment. Mais sur cette partie basse, là, c'est déjà désolidarisé. On voit la plaque. On voit la plaque qui bouge là. Bon, un peu à la manière forte. J'ai inséré le tournevis ici, j'ai un pion de centrage ici. J'ai disqué le logement de ma vis cassée. Pareil ici. Donc pion de centrage ici. Pion de centrage ici. Plus un goujon. Le goujon, j'ai tapé dessus. Il bouge, il vibre. On sent qu'il vibre jusqu'à la base, donc lui, il ne retient pas. C'est vraiment ces deux vis-là qui sont pleines d'oxydation. J'ai chauffé un peu tout à l'heure. Bon, là, je le touche parce que ça a largement refroidi. Mais voilà, à force de vibrer, à force, hein, ça vient tout doucement. L'oreille qui est ici avec une clé de vis et le tournevis derrière, comme ça, voilà. Comme ça, là, en mettant le tournevis derrière, ça me permet de pousser, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, comme il ne se passait pas grand-chose, j'ai d'abord tapé un peu ici, tout doucement, tout doucement. Et puis, bah, je suis passé entre la contreplaque et puis le boîtier. Alors, la contreplaque, elle est un tout petit peu fléchie, comme pour là, hein, elle est un petit peu tordue. Donc là, je la redresserai. Quand je remonterai tout ça, bah, je mettrai un petit peu de pâte à joint pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mais là, on est au niveau d'une vis. Donc le joint, il sera parfaitement écrasé, il n'y aura pas de problème. Puis là, pareil, on est au niveau d'une vis. Donc, levier ici, alors ça bouge, hein, on voit que ça se décolle ici, dans cette zone-là. Cet ensemble-là a tendance à venir un petit peu, mais on sent que c'est retenu par ici, et c'est retenu par là. Donc en fait, un, deux, trois endroits où ça bloque, ça devient compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai disqué. Je ne peux pas disquer plus proche, plus loin, parce que mon disque, eh ben, il va venir frotter ici. Même chose là. Alors, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est disquer comme ça pour faire une petite ouverture ici. Et puis, parce que là, je tape avec avec la massette et le burin. On voit quelques marques d'ailleurs. Je tape pour bien faire vibrer, parce qu'à force de faire vibrer, ben, c'est bon. D'ailleurs, on voit quand même que la vis là, elle a reculé. C'est-à-dire que le boîtier a avancé. Par contre, ici, pas du tout. Donc, il va falloir que je travaille maintenant par ici là. Pareil, hein, j'ai mis le burin dans la fente que j'ai fait et j'ai tapé. En seconde de plus, le tournevis qui était là vient de tomber. J'ai buriné dans ce sens-là, ça a éclaté l'oreille de mon logement de vis. J'ai fait pareil ici et alors on voit bien, hein, la corrosion, on voit bien toute cette oxydation. Et bah ça va, à force de vibrer, hein, peut-être que je vais avancer un peu, et puis bah, je vais arriver à libérer ces deux endroits-là.